Yo, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft. Dans cette vidéo, on va faire une vidéo qui sera très courte, très simple, donc sans spécialement de montage, mais je me suis dit que j'allais partager des connaissances, des enseignements, des astuces, des réflexions sur des petites vidéos assez régulières. C'est parti! Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça sera comment, donc c'est une des façons, hein, comment farmer des composants de façon optimale pour avoir le plus d'or possible. Donc il ne s'agit pas uniquement de trouver quels sont les composants à farm, mais également d'appliquer des principes d'économie assez basiques. Ok? Quand vous faites un prêt en économie, par exemple en bourse ou autre, ou dans à peu près tout, le mieux c'est de diversifier ses sources de revenus. Il ne faut pas dépendre d'une seule chose, parce que si ça s'effondre, c'est la misère! Il faut dépendre de plusieurs choses. Un des moyens assez sûrs de se faire des sous sur vous, c'est de vendre des trucs que les gens achètent. Ok? Bon, c'est pareil, dans la même vie, mais du coup, ça marche aussi sur vous. Les gens vont acheter, par exemple, on va se baser aujourd'hui sur les consommables utilisés en raid. On va parcourir quelques trucs qu'ils prennent. Donc, on va un peu à l'hôtel des ventes, on va chercher, par exemple, les flacons supérieurs de courant, mais également, il y a la même chose hein, pour l'intelligence, etc. Hein, comme vous pouvez le voir. Là, bon, là, je suis sur mon petit personnage, mais sinon, il est à 360, hein, il y a eu le boost de 360. La stat, il est à 400 PO. Donc, vous dites, ok, mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour farmer un flacon supérieur des courants? Donc là, vous dites, parce que là, l'idée n'est pas forcément d'aller directement faire la profession, vendre le truc, etc. Il faut déjà voir si c'est rentable et faire du farming. Le farming, c'est ce qui permet le plus facilement d'aller de 0 à 100 000. Crafter, c'est bien après, quand vous pouvez faire en masse et vous pouvez faire de la plus-value sur le prix des composants. Mais ça, je vous ferai aussi des petits guides là-dessus, sur l'achat-revente et ce genre de trucs. Là, ce qui va compter dans un premier temps, ça va être déjà d'obtenir de l'or simplement en faisant du farm. Cette vidéo va être axée là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme composant pour faire ce flacon supérieur des courants en Axie? Et la bonne question, mais bonne question, mais bien sûr. Vous allez sur Woid, vous tapez flacon supérieur des courants ou vous allez sur un Google qui vous ramènera sur Woid. Ça marche bien. Là, vous voyez qu'il y a différents niveaux, hein, comme d'habitude, rang 1, rang 2, rang 3. Ça change quoi? C'est le nombre de flacons qui peuvent être créés. Bon, peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir les composants. Il faut des brins de mer, des encoracés. Donc, déjà, vous dites. Et surtout, il faut 20 zinantides. Et là, donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dire, ok, donc il faut du zinantide. Et on va regarder combien de zinantides on peut farmer et enfin, comment ça marche et où on les farme. Ok? Donc là, vous allez là. Donc là, bon, moi dans mon cas, je sais déjà. Donc bon, ça peu importe. Mais la première étape, c'est déjà de voir le prix. Par exemple, là, ils sont à 17 PO. Alors, je vous montrerai également avec les add-ons où, si vous enregistrez des bases de données, vous pouvez voir le cours d'évolution du prix d'un objet suivant les jours. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que WoW a une économie qui est complètement instable. Déjà, elle est basée sur votre royaume, qui est très différent des autres royaumes. Alors, bon, pour ça, on peut pas vous faire une technique mieux que les autres. En fait, les techniques qui sont les mieux changent chaque jour. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est à 17 PO. Moi, je peux vous dire, il y a 4 jours, ils étaient à 40 PO sur mon serveur, sur Isson. Déjà, vous vous rendez compte, ça évolue de plus de 60%. La plupart des objets, des composants, évoluent de plus de 500% en 2 semaines. Donc, par exemple, l'achat-revente, c'est goldé, si vous le faites au bon moment, si vous connaissez le cours des trucs. Mais également, ce que vous pouvez vous dire, c'est que des fois, il est plus intéressant d'attendre avant de revendre. Vous n'êtes pas pressé, vous farmez 2000, 3000, 5000, 10 000 Zinantides et vous attendez que le prix remonte. Et à partir de là, vous les vendez, vous faites directement des millions et des millions. Donc là, en l'occurrence, Zinantide, ça se farme assez bien. C'est un truc qui se farme à Najatar. Donc vous allez à Najatar, vous faites la région qui est plutôt vers la droite. Vous prenez la monture qui vous permet, la monture alchimique qui vous permet de looter, de récolter de l'herbe, etc. En étant toujours sur votre monture. Ça, pareil, hein, être alchimiste, farmer l'or pur, etc. Et vendre ce genre de monture, évidemment, c'est un très bon filon, mais ça sera une autre vidéo. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous dites, ok, 17 PO pour aller farmer des plantes, c'est quelque chose qui me convient. Et vous dites, ok, je vais un peu monter herboriste, je vais prendre les petits boosts qui permettent de looter plus rapidement. Par exemple, il y a un enchantement sur les gants qui vous permet de looter plus rapidement. Vous avez la monture, comme je vous ai dit, alchimie, qui permet de ne pas descendre. Et là, vous dites, ok, je vais investir un petit peu, je vais mettre 2-3 000 PO, je vais faire 1-2 heures de farm. Et là, je vais directement rembourser mon investissement. Et à chaque fois que je vais aller à Najatar, pendant que je me batte une série, pendant que j'attends un raid, pendant n'importe quoi, hein, moi, c'est dans ces moments-là où je fais les trucs, c'est les moments où, de toute façon, je fais autre chose à côté. Bon, peu importe que vous soyez à fond dedans, avec votre musique ou pas, par exemple, il y a les Zinantides. Donc là, vous dites, ok, donc ça, c'est un des moyens, je peux être herboriste, je peux aller à Najatar, farmer les Zinantides, ça me fera 17 PO le farm. On va passer au deuxième truc. On va se dire, par exemple. Je vais aller checker la potion de soins abyssal.
C'est dans le cas où vous savez pas ce qu'il faut pour craft les objets, hein. C'est normal, hein, au début, il faut bien apprendre. Là, vous dites, ok, elles sont à 20 PO, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour former une potion de soin abyssal, Maxi? Et là, hop, on revient, on voit, il nous faut potion de soin abyssal. Alors, les composants... Je les vois pas. Je les vois pas. C'est le patron. C'est bon, elle est là. Il faut deux ilantides. Donc pareil, ok, même chose. On va passer à un autre objet. On va passer à la nourriture pour les visions. Ça, pareil, c'est un truc qui est très demandé par les joueurs. Les kebabs, c'est un truc que vous êtes obligé d'utiliser parce que ça vous permet de remonter de la santé mentale. Si vous voulez faire les 5 masques, c'est vachement mieux avec. Ils sont 85 PO. Donc là, on va se dire, ok, alors, on va checker rapidement. Donc, les kebabs. Donc, Jazz Identity, vous avez vu bon plan. Hein. Toutes les potions de soins abyssales et tout, c'est très, très utilisé à part des joueurs. Alors, le kebab. Et là, vous dites, ok, il y a tous ces objets-là. Questionable Meat, Malformed Gnasher et Aberrant Void Feed. Avec trois petites huiles aromatiques de poisson. Alors ça pareil, il y a un sacré business là-dessus, mais peu importe, c'est pas non plus le sujet de la vidéo. Si vous ne savez pas, sur vos huiles, en haut à droite, vous pouvez mettre en français, si vous voulez exactement le nom français. Donc vous voyez que pour avoir ce truc-là qui est très demandé, il faut des viandes douteuses, il faut des malchers malformés et il faut des perches aberrantes du vide. Bon, je vais vous donner comment on les obtient. Les perches et les mâcheurs, vous les obtenez en pêchant dans les zones corrompues, donc que ce soit en Val ou en Uldum. Suivant la zone qui est corrompue, il y aura plus de perches ou plus de mâcheurs. Donc généralement, le prix pareil de ces trucs-là va varier. Si vous faites des stocks avant, ça peut être intéressant. Donc on va regarder le prix des mâcheurs, des perches pour pêcher, et on va également regarder le prix des viandes douteuses. C'est pareil, ça c'est sur les zones d'Enzot. Si vous êtes skinner, d'épaisseur, vous pouvez obtenir également davantage de viande. Et ça peut être super, super, super value. Mais ça, ça va dépendre du prix de vente. Si ça se vend à 8 PO, c'est pas si intéressant que ça. Si ça se vend à 30, 40 PO, là, foncez, hein, foncez, là c'est parti, hein, c'est parti, parti, parti. Donc c'est parti, on va regarder ça. On va regarder un petit peu le prix des objets. Donc, hop, on va sur la viande douteuse. On voit que c'est 30 PO, 30 PO. Ouais, là donc vous avez fait une petite session de farm, vous ramassez, vous dépecez, vous faites un bon spot, il y en a, regardez les vidéos, il y en a que 468 de disponibles aussi. Donc c'est que là quand il y en a très peu disponibles, vous pouvez vous dire je peux faire un prix de malade quoi. En gros, vous pouvez même vous dire je peux racheter ça et je peux revendre les miennes plus chères. C'est une possibilité. Soit vous dites ok, 30 PO ça me va, je rajoute dessus, mais vous êtes sûr que ça va passer parce que quasiment personne n'en vend. Et là vous pouvez vous faire énormément d'argent parce que dans tous les cas vous en faites pas, la nourriture pour les visions ça va être utilisé. On va regarder le prix des mâcheurs. Les mâcheurs mal formés sont à 12 PO. 12 PO pour pêcher une fois, moi je trouve que c'est pas super rentable. À 40-50 comme ils le sont des fois, c'est super value. 12 PO franchement, c'est un petit peu se moquer des gens. Ouais, mais bon, s'il y en a qui le vendent à ce prix, c'est que ça leur convient. Et bah voilà, par exemple, 50 PO pour un poisson. Et là, du coup, vous faites beaucoup d'argent. Parce que par exemple, vous allez attendre votre groupe de raid pendant une demi-heure. Vous faites une demi-heure de pêche, vous en faites 200. Même, ouais, même plus. Hein. Franchement, une demi-heure de ça, vous en faites peut-être 400. 400 400 x 50. 20 000 PO. C'est ça, une demi-heure, 20 000 PO. C'est honnête, c'est honnête. C'est difficile de faire 20 000 PO en une demi-heure. Ça dépend des méthodes, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus rapides, qui permettent de faire 2000. Moi, le mieux que j'ai fait jusque-là, c'est 2000 PO à la minute. Mais celle-là, je vous la partagerai bientôt, vous en faites pas. Ça dépend également du cours des objets. Et donc voilà, par exemple, perche aberrante du vide, bim bim bim, vous allez les piocher. Vous mettez, mais extrêmement bien, donc n'hésitez pas, voilà, là vous dites, là c'est value. Les identites peut-être un peu moins, peut-être que vous dites l'herboristerie ça va plus vite. Et ce qui est intéressant c'est de savoir faire l'ensemble des choses, de savoir l'ensemble des composants qui sont achetés, qui sont nécessaires et qui sont utilisés au jour le jour par les joueurs, parce que c'est une valeur sûre. Les montures également en sont 8, mais un peu moins. Autant là c'est sûr, les gens vont acheter de la nourriture pour les visions, tant qu'il y en a BFA 8.3, c'est value, c'est intéressant. On va voir un dernier petit exemple. Alors, on peut avoir le tiel de pommes de terre. Là, ça, c'est la nourriture qui donne le plus de hâte. Évidemment, on a envie d'être optimisé en hâte sur beaucoup de classes, que ce soit dans les donjons mythiques ou que ce soit
En raid, voilà, par exemple en raid. Du coup, vous dites les tielles de pommes de terre. Là, ils sont vendus à 48 PO. Comment on fait des tielles de pommes de terre? Et là, vous dites, hey, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc là, on va regarder. Tielles de pommes de terre, tielles de pommes de terre. Donc, il faut des flanchets caoutchouteux. Ok, c'est le principal composant. Ça, ça s'achète au PNJ, ça s'achète au PNJ. Ça, c'est de l'huile de poisson. Honnêtement, tout le monde en a plein, surtout depuis qu'on a des coffres BG, etc. Donc, ça, ça vaut dans les 10 PO environ, peu importe votre serveur, entre 6 et 10 PO, quoi. Et sinon, vous avez des flanchets caoutchouteux. Donc, on va aller voir les flanchets. On va aller voir les petits flanchets. À quel prix sont les flanchets caoutchouteux? Mais oui, mais oui. Et 20 PO, 20 PO bordel, 20 PO, et là c'est pareil, c'est encore plus simple même que les trucs de bouffe d'Enzat. Vous pouvez aller farmer, vous faites des puceurs et vous allez vous faire des tonnes de flanchers caoutchouteux. Là on voit qu'on a 5300, mais même là, même vous, en farmer 5000, c'est jouable en vrai, c'est complètement jouable. Et là vous mettez mais tellement bien, c'est insane. Honnêtement c'est juste un truc de ouf, c'est un truc de malade. On peut même voir un autre truc, hein. C'est celui-là justement qui est le plus rentable pour moi, donc je vais vous le partager, hein. Ça vous fera plaisir, c'est la fin de vidéo. Donc les burgers, les quelle est l'orthographe exacte? Mécanodal. Donc voilà, par exemple là ils sont à 30 PO, et je vais vous montrer les compos, mais c'est ridicule. Ils devraient être à 5 PO ces trucs là, pas à 30. Les compos par exemple du burger, et là vous dites, bon ok, vous pouvez les fermer vous-même parce que c'est lié. Bon là c'est le cas un peu différent, c'est du LQR. Il faut seulement 8 verrons et 5 pièces détachées, bordel. Donc là, vous dites, ok, mais 8 verrons c'est quoi? 8 verrons en fait, vous les piochez, vous les pêchez 20 par 20, avec le truc qui permet d'aspirer les verrons. Donc, en fait, vous les piochez 20 par 20. Honnêtement, en 20 minutes de farm, j'en fais 2000. Donc, environ 2000. J'en fais 2000. Avec 2000, vous faites. Donc, ça fait 250 burgers que vous faites en x10. Donc, ça fait au total 2500 burgers x 30 PO. 2500 burgers x 30 PO. Juste vérifions, hein, pour le plaisir de voir à quel point en 20 minutes c'est insane. 75 000 PO en 20 minutes de farm. C'est le max que vous pouvez vous faire, je pense. 75 000 PO en 20 minutes de farm. Mais vous rendez compte, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à checker le prix des différents objets. Là par exemple les mecha burgers, c'est la meilleure nourriture pour le critique. Donc forcément les gens vont en prendre, les gens vont en acheter, donc ça peut être super value. Surtout que là c'est vendu au même prix que les tiels, et dans l'absolu quand tu cherches de la hâte ou du critique, tu t'en fiches du prix et du prix des composants et de la facilité à les obtenir. Ce que tu veux, c'est ta nourriture, et donc il y a pas mal de gens qui vont forcément payer pour aller au plus vite, pour avoir la bonne nourriture, pour avoir les bonnes potions, pour avoir les bons kebabs, pour avoir les bonnes potions, les bons flacons supérieurs également. Donc soit vous optez pour une de ces professions, pour les crafts, mais là je voulais opter sur le farming des composants. Donc vous farmez les composants suivant le prix, suivant le cours, et vous pouvez vous mettre extrêmement bien. Bon, j'espère que ça vous a été utile, que ça a été profitable, que c'était intéressant pour vous. C'est un truc que j'ai pas mal creusé, que j'ai pas mal farmé, j'ai beaucoup d'astuces de farming de PO, j'ai testé pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler et échanger ou partager vos propres astuces dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous.